Continuons l'aventure. Est-ce que vous êtes encore là? Des gens comme Chirco, Tailleul, Gino Bambino. Comment allez-vous aujourd'hui, mes chers amis? Allez! Oh, tabac. Je suis sûr que c'est du poisson qui aime. Donc nous deux, nous devons de maintenant rentrer dans la grotte. Première mission, prendre le canot. Comment allez-vous, mes chers amis, aujourd'hui? Hey, Tailleul! Tailleul! Comment tu vas? Ça va bien, merci. Allez. Oh. Merde, je joue tous les jours, j'oublie le putain.
Tanguy, ça va? Ça va bien, merci. Merci, Bardas. Ah bah ouais, je vois bien partout. Excellent. Donc on n'a pas venu ici hier, mais on a tout préparé. Il y avait un bleu. Fallait tuer les trois boss sur chacun des îles. Affronter tous les monstres sur chacune des îles, plutôt. Afin d'accéder ici. Nous y sommes. Journal du capitaine, 4 sur 4. Ça tourne en rang. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à gauche. Une corde. Ok. On va aller là. C'est pas vraiment une corde. Une violente aura à forme automatique enveloppe ce lieu. Touché. Oh mon dieu! Ah bah ouais. Ouh. Fin. J'ai envie de t'ennuyer. Excusez. Statue dorée. Ça doit être celle que l'ancêtre vous a demandé d'apporter. On a trouvé la... Oh, on l'a trouvé, bon. Bon, on n'a pas besoin de tout faire ça. On a... En fait, est-ce qu'on utilise la carte? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a tout... On va explorer. Regardez s'il y a d'autres chemins ici. On peut pas avoir d'autres chemins. Je suis pris là, ce petit. Voilà.
Ici c'est fermé. Le venin sonne ou pas? Vu qu'on est. Vu qu'on est là, qu'est-ce qu'on a? On peut en profiter puis explorer un peu. Même j'aurais pas dû prendre la dernière tout de suite, là ça. Oh, on peut monter là. Bon. Et il y a un livre ici. Il y a un coffre à droite. Comment allez-vous, mes chers amis en poste? Du maïs. Alors pour monter en haut, il faut l'échelle. Une équipe d'échelle. Je vérifie que j'en fais un, j'imagine, je sais pas trop. Alors je vérifie ça. Je vais prendre un poisson, mais les poissons dans ces endroits-là, ils vont me tuer. Ils sont trop forts. Je vais aller vérifier le haut de l'île rapidement. Je viens de la voir. Si j'ai le temps de m'y rendre. Ok, cool, il y a un coffre là. Un livre, bon. On va préparer notre prochaine quête. Du poisson, nourriture, nos légumes.
préparer ça un peu au moins. On va avoir de la difficulté. Pas de jardinage. Pas de poisson. Pas de jardinage. Pas de nourriture. Pas de gros. Tu vas te rendre pas loin des missions. Ils préfèrent des petits repas. Ah ouais, go. Ah, j'aurais dû rester le bout de tantôt puis prendre la. On a ça. Ah, ça va plus vite à ça que le gros sio, comment ça? C'est parti par partie au lieu de un par un. La paix. Waouh. Regarde-moi ça, toi. Aujourd'hui, vous êtes chanceux, c'est Bleden pour tout le monde! C'est Bledin qui a mué.
Hey, t'es chez Caribou. Regarde-moi. Prends ta chaise, puis regarde-moi. Thank you, please, look at me. Bienvenue à Tribu du Caribou Canadien, mon cher ami. Super plaisir de t'en faire. Oh, yeah. Run, Forest, run! Bon! Allons le voir, l'ancien maître, qui veut. Juste avant, j'ai quelque chose à vérifier rapidement aussi. Ça, c'est pour les plans. J'ai pas de kit d'échelle encore. Pas de kit d'échelle, pas de kit pour les cordes. Qu'est-ce que l'ancêtre va nous dire? J'ai hâte de voir. Vous êtes toujours là, vous? Toujours quelqu'un avec moi? On est arrivé. Je vais faire de la nourriture, j'ai oublié. C'est pas grave, on le fera après. Félicitations, Caribou Canadien. Tu as réussi à ramener la petite statue, j'ai un soupçonné, rappelle-toi. Pose-la à la piédestral, Caribou, c'est ici. Elle doit. Ah oh, bon. Ok, que c'est lui. Bon. Maintenant que tu as récupéré la première statue, je vais te dire plus. Sur ce monument. Il fut un terrain d'essai d'anciennes tribus sur les guerriers qui mettaient leur habileté à l'épreuve. L'un des meilleurs d'entre eux fut gravé dans la tablette de pierre derrière moi. Tu peux toucher chacun des statues une fois ramené ici. Ça attira un grand nombre de ces tribus de pirates fantômes. J'évaluerai ton habileté au combat pour que tu puisses affronter ces guerriers défunts. Caribou Canadien, il y a encore deux statues cachées quelque part sur ces îles. Le moment est venu, tu entendras mon signal. Il voudra dire que j'ai trouvé la deuxième statue qu'il te faudra rapporter. Allez, ton charpentier de marine a encore besoin de ton aide. Comment tu vas, Charlie? Ah, le canot est là, moi je m'en allais l'autre bout à chaque fois, le canot est là.
Ouais. Quoi de neuf, Caribou? Le lago est sur la meilleure avec un peu plus de poisson. J'aimerais une canne à pêche. Oh, ben merci. Ah, ben là, on va pouvoir trouver du monde. Il y en a qui avaient de la misère à tirer certains poissons. Là, on va avoir des nouveaux poissons. Là. Bon. Récolter 3 restes du gréement. Bon, je les trouve. Là, on va vous montrer comment trouver de la nourriture. C'était laid. Non, j'ai dit comment tu vas. Zut, c'est quoi j'avais mis là? Ok. Pourquoi je vais enlever les patates? Je vais placer les patates là. Avec les oignons. Les oignons, on va pas les faire là. Tomates. Riz. C'est ça qui fait longtemps que j'avais pas, tiens. Piment? Non, pas piment. Bedin pour les oignons. Ah, niaiseux. C'est un jeu, toi? Ah.
qui se passe? Allez, on a encore une demi-heure pour s'avancer. De Tal Xavier, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon cher ami. Ça fait super plaisir d'en faire le oh yeah! Et de... Merci mon cher ami. Tu viens d'où? Oh, il en manque un deuxième. Oh, Colin, s'il te plaît. Cool. Bienvenue mon cher ami. Oh yes, le troisième. Bon. Ça, c'est une autre façon. Une autre façon de dire que c'est en plate, ça. Bon, alors voilà. Ah, l'établi. Je suis là. C'est le caribou génial, tu as réparé le gréement, il a l'air sacrément...
que la façon quelque chose serait très utile. Merci. Qui est Teresa déjà? On va la trouver. Faire ça, c'est peut-être elle en dedans. Bon, bah, c'est facile, souvent ils vendent les bras. Bonjour mon chat, comme tu es toujours un vadrouille, j'ai pensé que ce set de provisions pourrait être utile. Bon, bah ça, on a plus de provisions encore, yes. Allez voir l'équipage, c'est quoi l'équipage? Ah, ça allait partir, pas là tout le monde. Oh, l'équipage! En fait, l'équipage, c'est juste aller parler à... L'équipage, c'est l'oiseau. C'est ça, l'équipage. C'est bien qu'il s'appelle. Blaster est tellement jaloux. Un homme de la pire espèce. Policier, jaloux. Bon. Salutations, Garibou. Très bien, tu as reçu mon message. Il semble que vous aviez avancé bien dans la construction de votre nouveau bateau. Je suis impressionné. Mais n'oubliez pas que vos efforts seront vains si la malédiction n'est pas brisée. J'ai repéré la deuxième statue. Là encore, il faut que tu la ramènes. Elle est cachée dans une crypte sombre et profonde sous le village abandonné de l'île, au nord-est. Je sais que tu as déjà vaincu les adversaires dans le repère des contrebandiers. Mais méfie-toi. Le capitaine pirate et l'équipage qui le défendent sont encore plus terribles! Ne te rends pas là sur toi sans t'être préparé, mentalement, psychologiquement. Mouche-toi! Le sentier qui part au village est barré par des balaises abruptes. Des falaises. Il faut que tu construises une échelle pour la grimper et atteindre le creep. Il semble que la forgeronne ait conçu quelque chose qui sera utile. Va la voir et prépare-toi de cet ambitieux voyage de malade mental. Rejoins-moi une fois que tu auras récupéré la deuxième statue d'or. Je cours, Shiwami Kinina. Merci, mais le plaisir est pour moi. La forgeronne, bah non, la forgeronne! Par là, Brenda! Brenda, Brenda, est-ce que t'es ma Brenda? On t'appelle Brenda Forgeron. Son ami de cœur s'appelle pas Roméo. Salut, Brenda! Bonjour à toi, Garibou. Je peux t'aider? Ben, j'ai vu la vieille affaire, puis tu l'as utilisé pour bien fixer l'échelle. Un instant. Ce schéma devrait te permettre de fabriquer un kit d'échelle en bois. Tu peux
l'attacher à l'échelle où tu verras un basin, une appel. J'ai vu ça, merci. Merci beaucoup. On va s'aimer comme des pantalons, comme des petits oreillers. On va s'aimer en chantant des chansons. Oui, le petit horizon. Donc, pour faire une échelle, il faut ça. On se fout les crottes de caribou. Oh yeah! Va falloir couper des arbres, mais ce sera une autre fois. Hey, tiens! Ah, lui que je voulais parler. Check mon deuxième saut. J'ai attrapé un saut. Regarde ça comment ça va vite à ce temps quand j'arrose des plantes. Malade. Ah, je voulais te dire aussi, mais tu pour toi. Mais... Comme quand tu vas sur une île, t'es pas obligé de revenir en bateau de nouveau. Ce que tu fais quand t'es sur une île, tu vas là, t'appuies A sur la carte. Et là, c'est marqué Y, retour au campement. Tu fais ça. Plus facile de retourner au campement. Ah, il y a des nouveaux repas. Ah non, c'est des nouveaux repas que je n'ai pas besoin. On va le voir si on peut aller pêcher. Regarde-moi la nouvelle canne à pêche, en plus j'ai pogné là. C'est parce que là tu peux pêcher avec la canne à pêche normale, mais les autres places tu peux pas. Qu'est-ce que tu vas attraper avec ça, une baleine? On va essayer de trapper l'Exa Blaster là-dedans. Oh! Oh! C'était elle qui va sortir! Oh! Oui, c'est elle! Elle est sortie à la face de même, elle pensait que c'était Blaster. Pardon Blaster, qu'est-ce que tu joues là? Qu'est-ce qu'il m'a... Destiny encore.
Bon. Ça me manque, mais je comprends pas. Non, faut que je vois là. En premier lieu. On va s'aimer comme une face LED qui prend des hommiers. Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Palud. Merci d'avoir retweeté les messages, mes chers amis. Merci beaucoup. Aucune idée, David. Je l'avais jamais vu avant aujourd'hui, avant hier. Ça va nous pêcher, ben. Ah d'accord.
C'est une autre sorte de bois, ça. La pierre de bois. Merci, champion du monde. Bon. Fabriqué. Au moins, il aurait souhaité pour vrai. Ça m'aurait pas étonné, ça aurait pas été vrai. Ah ouais, c'est quand il retweet, puis lui, il fait pas. Comment ça, genre? On découvre les nouveaux territoires de l'île, c'est fou! Allez, il nous reste encore 10-15 minutes. On voit les petits îlots. Ouais. Oh, des graines de 4 épices. Ça, c'est nice. Des graines de 4 épices. Oh. Ouais, par là. Non. Les prix là, ça, c'est beau. Oh, une échelle en bois direct. On va aller voir ce qu'il y avait en bas pareil, par exemple. Il y a un... Oh! Parchemin. 4 sur 5. Bon, on dirait qu'il y avait un passage là, mais... Rien comme dans rien. Regardez le jour. Rien comme dans rien. Rien pêché. Oh, il y a peut-être des coups plus bas. Rien comme dans rien. Bon, on est à l'extérieur. Ok, on est où là? Ok. On a juste... trouver une porte pour sortir, mais on n'a pas... on n'a pas trouvé le chemin qu'il fallait aller non plus, on s'éloigne. Ben, c'est pour ça que je fais ça, Stranger Things aussi, je vais terminer. Pour rien que je joue dessus tout le temps.
Je joue une fois par jour, vas-y de m'avancer dessus. Un coffre. Les graines de canne à sucre. Oh, une nouvelle section avec des nouvelles graines. Tiens. Je vais pas le compléter ce soir. Oh, plus rien. Un coffre. Et des graines de thym. Ok. Bon, ben. Je me suis trempé dans l'endroit.
Avez-vous vu une vidéo française du gars qui dit que 60 secondes plus 60 secondes, ça fait 1 minute 20 puis il s'enrage après le gars? Il dit qu'une minute c'est 100 secondes. Donc 200 secondes, 2 minutes. On avait un cul à quoi? Ah, vous avez pas vu cette vidéo là? Ah, c'est drôle, j'écoutais ça tout à l'heure. Hein. Sur le... le podcast de Yann Terrio. C'était drôle. Je connais pas. Moi, ce que j'écoute sous-écoute de MacWord, puis j'écoute le podcast de... Yann Terrio. Salut Matt, comment tu vas? C'est vrai. Il t'a convaincu comment? Avant pas pire.
Bon. Axel Laurent, qui aime l'hiver? Moi, t'as pas demandé qui aime la vie? La Charlie, tu demandes ça? Charlie la vie, oui c'est toi Charlie. Ah, l'île nord-est, c'est pas l'île au nord. Explorer la mauvaise île, oups. Cette vie qui fait peur à tout le monde. Cette vie qui te vit. La vie. On va préparer le prochain tweet pour le prochain jeu. Et en calice.
Et voilà, sauvegardé. On continuera cette aventure demain.